vivait dans un luxe inouï. Le chien qui s'appelait Puccini, mais son maître disparu. Puccini est perdu, écroulé de chagrin, voulu s'enfuir au loin. La fourrière l'attrapa et quelqu'un l'adopta. Il a une nouvelle famille, pas bien riche mais si gentille. Heureux enfin pour lui, tout va très bien, Puccini. Messieurs, bienvenue à l'exposition canine d'Arlington. Comme vous le savez, ici la classe veut encore dire quelque chose. Les bonnes manières sont d'une importance capitale. Une attitude snob et prétentieuse est de rigueur. Seule la crème des chiens est parmi nous aujourd'hui. Ils sont en compétition pour le premier prix. Nous allons maintenant assister à notre trophée mondial, Sa Majesté le Chien. Oh, ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai des hallucinations? Oui, c'est bien lui. Est-ce vraiment Cheswick, mon ancien rival? Je ne l'ai pas revu depuis l'époque du country club. Ah, ne rêve pas, finis les politesses. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et Puccini, tu vas gagner ce prix, n'est-ce pas, mon chien? On sera là-haut dans les gradins pour t'encourager. Oh, non, pitié, j'y crois pas. Et surtout, mon chien, j'espère que tu ne me feras pas honte devant tous ces gens. Oh. Oh, si Cheswick aperçoit ma nouvelle famille, je suis fichu. Nous vous demandons toute votre attention. Voici le premier défilé, le prix de l'élégance. Puccini, qu'est-ce que tu fais? Puccini? Tu es trop loin, les juges ne te voient pas. Passons maintenant au test d'intelligence. Que font 1 plus 1? Très bien. Oh, je suis désolé. 2 moins 2 font... Il a raison, ce chien a de la cervelle. Je suis vraiment stupide. Parfait, chien suivant. Ouais, stupide. Allez, au suivant. Veuillez nous expliquer le théorème de Pythagore et son influence sur l'économie actuelle. Maintenant de toute votre attention, voici l'événement final, le prix de la plus jolie voix. Génial!
Qu'est-ce que tu fais, Puccini? Retourne-toi! Tu leur montres ta queue, ce n'est pas bien! Non, non, non! Retourne-toi vraiment! Montre-leur ton visage! Faites ton mieux. Tous les chiens ne peuvent pas être aussi doués que ce Cheswick. Dans quelques secondes, je serai loin d'ici. Quel est ce bouffon qui ose se mettre en travers de mon chemin? Puccini? Est-ce que c'est toi? Je me demandais ce que tu étais devenu, justement. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup progressé ces derniers temps. C'est la troisième compétition que je gagne cette année. Incroyable! Je n'ai plus de place sur ma cheminée. Mais dis-moi plutôt, est-ce que tu as été au club récemment? Je n'ai pas eu le temps, moi. Je suis très pris. Moi aussi, je suis très pris. Oui, eh bien, en fait, je me suis inscrit dans un nouveau club. Il est génial. Moi aussi. Allez, viens, Puccini, on va chercher du poulet frit. Oh, vas-y, vieux, ta limousine est avancée. Cheswick! Oh, mon Dieu! Pas devant Puccini, s'il vous plaît. Pas devant Puccini, non. Allez, viens, Cheswick. On va être en retard pour nourrir les cochons. Ça, c'est un bon chien. Ah, elle n'est pas si mal, ma petite fille.